dernière, des inscriptions pro-palestiniennes, vous le voyez sur ces images d'art surblé, avec de la peinture rouge. Les vitres ont été également brisées. Les propriétaires sont sous le choc. Leur établissement est ouvert depuis tout juste un an. Sur place, notre journaliste police-justice Art Surblé. Dans la douleur et la stupeur pour les gérants de ce restaurant Kacher de Villeurbanne. Ce mardi matin, aux alentours d'une heure, leur restaurant a été pris pour cible. Des tags, on peut lire Free Gaza sur la devanture, mais également de la peinture rouge qui peut faire penser à du sang. Les vitres de ce restaurant ont également été vandalisées. Un acte jugé ignoble par les gérants qui ont ouvert il y a un an et qui se disent déjà victimes d'insultes racistes et antisémites par des voisins. Écoutez-les, ils réagissent au micro de BFM Lyon. J'ai appris ça par les réseaux sociaux, donc très surprise. On se lève énervé, on se demande quel avenir ici pour nous en France. Alors qu'on est français, on travaille pour la France, on développe l'économie, on a du personnel, donc on fait travailler. Et on se dit, quel avenir pour nos enfants qui sont petits aujourd'hui, dans quelle vie on vit. Le maire socialiste de Villeurbanne a réagi dans un communiqué. Cédric Van Stevendel rappelle qu'il n'y a pas et ne peut pas y avoir de prétexte à l'antisémitisme. Le maire doit rencontrer les gérants dans la journée.